Bon, vous savez que cette petite bête là a annulé notre superbe journée parce qu'en fait, je vous explique, ce matin, il a volé le médicament de Mickey. Voilà, donc il a volé le médicament de Mickey, donc j'ai dû l'emmener d'urgence chez le véto. Donc le véto l'a fait vomir le médicament, il lui a donné un antivomitif, donc tout va bien. Mais voilà, moi qui voulais partir tôt pour passer une journée dans un outlet, bah, on ira demain normalement, on verra. En tout cas aujourd'hui, bah, on va aller se balader ailleurs. Voilà, on va aller manger, il y a la petite qui est là, comme d'hab. Je veux qu'il y a tout le monde. Ouais, je vais fermer le menton. J'aime trop son outil Dijon. Ah, y a... ah non, attends, on va de l'autre côté là. On fait des bêtises, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Et là, il y a la bête qui a gratté une journée avec nous en fait. Donc voilà, on est parti manger une petite pizza. Comment tu fais, Bouquet? Ce moment fait. Ding, ding, ding. Bon app. Pas de merci. Si. Ah, la paix en silence. Voilà. C'est la petite. C'est incroyable. Pas incroyable ce tutu. Allez, demain, je m'inscris à la danse. Magnifique. Regardez là, je cherche une tenue pour les fêtes. Regardez chez Mango cette robe. Elle est trop belle. Mais le souci c'est qu'elle est transparente. Non ? Donc je mets quoi avec ? Est-ce qu'on va voir mes seins là ? Bon, pour l'instant, on a trouvé deux cadeaux. On va pas aller loin. Hein. Franchement, on va vraiment pas aller loin. C'est compliqué. Et vraiment, c'est vide. Ah, il n'y a pas grand monde. Hein. Dans les rues, il n'y a pas grand monde. Mais j'ai trouvé le cadeau pour G. Elle fait des bêtises. Regardez. Non. Ah ouais. Non. Elle te regarde en plus. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait trop de story. Voilà, entre ce matin, véto, bordel. Et là, bah, franchement, on s'est baladé et tout. On était en train de se balader, faire les boutiques. C'était hyper sympa. Alia, elle a été hyper sage, comme d'habitude. Franchement, trop sage. Et voilà. Mais bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver. Donc, je suis deg. En fait, c'est toujours le même truc. Je sais pas vous, mais genre, on galère pour avoir de nouvelles idées pour Noël, pour les achats, pour les cadeaux et tout. C'est tout le temps un bordel et on s'y prend toujours en retard. Alors, pourtant, je conseille toujours les gens un mois avant de le faire. Sauf que ces conseils-là, je les applique pas pour moi. Du coup, à la dernière minute, on court. Donc voilà. Donc, demain, je pense qu'on va aller faire le outlet que je vous disais. Je vous dirai s'il y a des bons trucs, s'il y a des trucs qui valent le coup et tout. Et du coup, aujourd'hui, on l'a pas fait. Je suis KO. Et voilà. Je suis dans la chambre d'Alien. Je vais manger toutes les affaires que j'ai sorties ce matin. Et aussi, je suis en train de préparer parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui disent « Sarah, tu vends pas les affaires et tout Alia, elle m'est plus. » Donc, je vais les mettre sur mon Vinted. Et franchement, je vais les mettre à bas prix. C'est pas pour me faire de l'argent ou quoi. Justement, c'est pour ben, déjà d'une me débarrasser de tous les habits. Parce qu'en fait, si je vous montre, vous allez péter un câble. Tous les sacs là. Voilà. Et puis, il y a des jolies choses. Hein. Des robes Karl Lagerfeld. Enfin, vous voyez comment j'habille Alia, genre canon. Donc, je vais les mettre sur mon Vinted. Et puis, je vous dirai. Je les mettrai au fur et à mesure. Et comme ça, je vous dirai. Mais vraiment, genre, je vais mettre à bas prix. C'est comme ça, je me suis dit, ça va servir aux mamans qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui veulent bien habiller leur enfant. Donc voilà. Donc, je vous mettrai des habits d'été, tous les trucs qu'Alia, parce que ça grandit trop vite en vrai. Donc, tous les trucs qu'Alia, elle met plus forcément.
et toutes les tenues aussi que on a mis ces outfits de Thaïlande. Genre trop beau. Voilà, mais je vous le dirai. Parce que là, il faut que je me pose, il faut que je le fasse, il faut que je prenne les photos de chaque habit et que bah, je le fasse. Voilà, là, je suis en train de ranger. Je suis en train de préparer aussi les affaires pour le bain. Vous voyez, ces compartiments, je les aime trop. Alors ça, c'est la foire fouille. À chaque fois que vous me demandez ce meuble, il vient de la foire fouille. Et vous voyez, je range là les couches. Là, j'ai tout ce qui est gel douche, truc pour le nez. Vous voyez, en double. Là, j'ai les bodys. C'est un peu le bordel. Enfin, vous voyez, là encore, des cotons, des gels douche et tout. En fait, je me fais tous les stocks dedans, comme ça, ça ne traîne pas. Et voilà, et là, les couches. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre un pyjama propre. Et voilà, donc comme ça, hop, je prépare les crèmes pour le bain. Voilà, hop. Comme ça, pour le bain, c'est fait. Sérum. J'ai pour le nez. La pipette. Et ça, je vais poser dans la salle de bain. Et aussi, je voulais vous redonner un code TwiCheck. Voilà, pour les mamans. Et même pour, tiens, idée cadeau. Vous avez une copine qui a un enfant. Vous avez une copine qui est enceinte. Ou même pour vous, vous avez des neveux, des nièces. TwiCheck, le code, il vaut vraiment le coup. Je vous montre mes produits fétiches. Voilà, à chaque fois, je vous montre les produits phares. Comme ça, je peux un petit peu vous conseiller. Demain, bah voilà, moi j'ai une fille. Si demain on me faisait un cadeau et que j'avais pas encore tout ça, bah, j'aurais bien aimé, par exemple, la baignoire TwiCheck avec le support. Voilà, la baignoire TwiCheck, elle est trop, trop, trop bien. Je vais mettre une vidéo. C'est vrai que maintenant, avec Alia, bah, je fais faire des bains libres. Du coup, la baignoire TwiCheck, j'en avais plus forcément besoin. Mais c'est un truc qui m'a sauvé la vie. Déjà, il y avait un support, donc je pouvais être vraiment à la hauteur de ma fille pour la laver. Dans la baignoire, vous avez un coussin dedans. Et vous avez aussi le jet pour nettoyer bébé, pour rincer bébé. Cette baignoire, elle est oufissime. Je vous mets une vidéo. Ensuite, il y a cette petite chaise que je trouve trop, 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 trop mignonne. Regardez, je vais mettre Alia dedans. Et en fait, elle est géniale, cette chaise-là, parce que pour les mamans qui n'ont pas forcément de grande place ou alors qui veulent vraiment une petite chaise pour que bébé mange et tout. Là, Alia, maintenant, elle a grandi. Je vais pouvoir aussi la mettre dans cette chaise-là. Mais de toute façon, vous voyez, il y a le petit coussin qui va avec pour qu'elle soit bien à l'aise. Et ben regardez comment elle est mignonne, cette chaise. Elle est hyper pratique parce qu'elle est vraiment petite. Vous voyez, elle est très légère. Et surtout, là, on peut mettre les assiettes click and match. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez. Donc, la chaise, elle est trop mignonne. Regardez comment elle est trop mignonne dedans. Trop belle. Et donc en fait, regardez, ça c'est le tapis click and mat. Donc ça c'est génial parce que voilà, vous cliquez l'assiette dessus et regarde Alia, essaye d'enlever l'assiette. Alia, regarde, essaye. Bon là, regarde son père. Mais si elle essaye d'enlever l'assiette, vous voyez, elle ne peut pas. Allez, essaye. Tu peux pas. Et c'est génial. Donc cette assiette là, et en fait, nous on peut. Mais bébé ne peut pas enlever l'assiette. Donc, vous voyez, vous tournez pour l'enlever. Hop. Et quand vous servez à manger, on reclip. Et c'est terminé. Et en fait, il y a un petit couvercle. Donc, c'est ça qui est cool. Comme ça, si bébé n'a pas fini son repas, bah, vous mettez le couvercle. Vous avez les petites cuillères avec, les fourchettes, couteaux, bon, bébé. Et le petit gobelet qui va avec. Voilà. Et la chaise, elle est vraiment trop pratique. Et pour finir, vraiment, les essentiels aussi de TwiCheck. Bah moi, bien évidemment, c'est les biberons, vous le savez. Hein. Depuis que Alia est née, vous pouvez regarder dans le petit truc à biberon, il n'y a que des biberons TwiCheck. Déjà d'une, c'est des biberons anti-coliques. Donc, vous voyez, il y a ça à l'intérieur, ce qui permet que les morceaux de lait ou quoi ne passent pas. Ils sont vraiment trop bien. Vous avez différentes tailles de tétines à chaque fois, différentes couleurs. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment que du TwiCheck. Même la boîte pour le lait, regardez, je ne vous montre pas, je vous montre, c'est une boîte TwiCheck. Donc, c'est-à-dire que là, je mets toute la poudre de lait à chaque fois. C'est ergonomique, ça tient bien, c'est vachement bien, voilà. Et tous les biberons, c'est que du TwiCheck, vraiment que ça. Donc, vous avez des petites tailles comme ça, regardez. Vous avez des petites tailles, vous avez les grands. Ça, c'est plus pour le bibi du matin parce qu'on met du chocolat dedans.
Et vous voyez, et vous avez encore plus grand quand bébé grandit. En tout cas, comme je vous ai dit, je vous donne une promo Twishek. Maman, elle est là, regarde. Une promo Twishek rien que pour vous. Donc, vous avez moins 50% sur tout le site. C'est valable 48 heures. Donc, vraiment, moins 50% sur tout le site. Et en plus de ça, avec le code promo que je vous marque juste là, vous avez moins 20% supplémentaire. Donc, c'est énorme. Faites vos achats, faites du stock parce que c'est juste génial. Hein, mon amour? C'est trop bien, Twishek. Hein? Tu fais câlin. Câlin, 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 câlin. Coquinou, c'est trop bien le bain. Non, ça non. T'as pas le droit dans le bain, Alia. Tiens. Coquinou, vous voyez pourquoi on peut pas. On peut pas, même une seconde, c'est attention, c'est hyper dangereux. Là, j'ai mes yeux tout le temps braqués sur elle. Et avant de faire quoi ce soir, vous savez, je vide la baignoire. Ouais. Elle aime trop. Ouais. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va. On est prête dès le matin. Il y a Léa qui me regarde. Je sais pas pourquoi, elle se marre, elle me regarde et elle rigole toute seule. Voilà, hier c'est vrai que j'ai pas du tout fait de story. Enfin, très peu, j'en ai fait, mais très très peu comparé à d'habitude. Et ça m'a fait bizarre, genre ça m'a fait du bien. De pas faire de story, de pas calculer mon tel et tout. Même si ça m'a quand même manqué de pas vous raconter ma petite journée, pas vous montrer ma journée. Aujourd'hui, je compte vous la montrer. En plus de ça, à la base, hier je devais aller dans un outlet, comme je vous ai dit. Ça s'est pas fait avec les péripéties de mes animaux. Mais aujourd'hui, c'est bon. Je m'arrête. Normalement, oui, on part d'ici une demi-heure. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'énerves, ma fille? Je suis là. Et voilà. Donc, je vous partagerai tout ça. Et voilà. Donc, Alia, elle est là. Alia veut aller par terre toutes les 5 minutes. Regarde, tu dis bonjour aux tatas. C'est des tatas. T'as plein de tatas, tu sais. Quand tu vas être en âge de comprendre, je vais tout expliquer, toutes les tatas que tu as. Oui. Donc voilà, donc je l'habillais comme ça, je vais lui mettre après le manteau, vous savez, hop, le manteau d'hier, comme ça, ça couvre bien. Franchement, il est trop bien parce que ça couvre de la tête aux pieds. Et donc pour le coup, s'il fait froid où je vais, bah, je lui mets, s'il fait pas froid, bah, je lui rajoute un petit gilet et puis je l'enlève. Et puis voilà. Et mission aujourd'hui, c'est de trouver des chaussures pour Mrs. Alia. On va voir si je trouve des chaussures pour elle. Par contre, on peut la féliciter, cette petite fille, parce qu'elle m'a réveillée qu'une fois dans la nuit. D'habitude, on est passé de 7 fois, après à 4 fois. Et là, une fois à 4 heures du matin pour la tétine. Et après, elle a réussi à se la remettre toute seule, les filles.